It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. On a Selçuk, c'est la porte de la persécution avec des bas-reliefs. Persécution d'Achille. Il a souffert. Basilique de Selçuk, au-dessus des Fès. La plus grande des anciens temps, de l'Antiquité. Il reste des bricoles quand même. La voiture en sortant du resto. Enfin il pleut. Ça fait 50 jours qu'on attend une averse. Musée des Fès. Voilà, Aphrodite avait rien dans le ciboulot. Là, bah non plus, en plus c'est écorché le genou. Là, ça va mieux. Ah, le satyre, il a quand même pris cher, là. C'est pas un démembrement complet, mais quand même. Si avec ça, il a pas la gangrène. Aphrodite et son coquillage. Oh, ça devait être à côté d'une fontaine, parce qu'il y a écrit « eau non potable ». Zeus aux Olympiades, handisport. Voilà, prêtresse de profil, elle n'est pas contente. Hein. Asclepios, où avais-je la tête? Marc Aurèle, il est complet. Voilà, c'est du solide. Des décorations en ivoire trouvées dans les maisons d'Éphèse. Statue d'un prieur égyptien, 6e siècle avant Jésus-Christ. Avant, ouais. Tête en bronze d'un philosophe daté de 235 à 240 après Jésus-Christ. Je crois que c'est ce qu'on appelle se creuser la cervelle. Ben oui, les amis. Le plus dur, c'est de calculer la position du centre de gravité lors des déplacements. Bonjour, monsieur Platon. La Terre est ronde? Une collection de cure-oreilles de première division. Là, faut quand même faire gaffe de ne pas l'enfoncer trop loin. Hein. Surtout la 25, là. C'est peut-être pour les okapis. Un beau guerrier. Hein. 69-96 après Jésus-Christ. Beau guerrier. Et il est passé à deux doigts de la victoire. Le vert, c'est toujours aussi fascinant. Là, on est entre moins 100 et plus 400. Je ne sais pas si vous voyez la finesse. Des objets, mais enfin quand même, oh là là. Statue d'Artémis à Éphèse, magnifique. Et on finit par Stéphanos qui jette l'éponge au 6e siècle.
Là, il est 18-19 heures, il fait 37 dans la voiture, à l'ombre. On va s'amuser encore. On s'en va, mais d'abord on filme une famille turque qui est venue bivouaquer sur la plage en tracteur, avec la remorque. Alors, petit bivouac sur la plage d'Éphèse, qu'on quitte ce matin, on va continuer sur la petite presqu'île qui se trouve à droite pour aller jusqu'à Tchesmé au port pour avoir au moins des infos sur les billets de bateau pour Chios pour aller en Grèce par là. Ça, c'est assez innovant pour nous. Et face à nous, là, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, c'est Samos justement qu'on devrait aller visiter après Chios avec un autre ferry. Donc là, c'est, on voit bien que la Grèce quand même touche la côte turque. 24 juillet, théâtre d'Érythrée. Vers Ildir, presqu'île au nord de Tchesmé. T'as vu les morceaux? T'as vu la taille du bouc sur la route? Non. Oh, il est beau, oui. Ça, c'est pas un père sacoche? Coucou. Bonjour. Il est trop beau. Oh, il est beau. Alors, toi, t'as une très belle cheveux. Alors on est à Tchesmé au port, on va essayer de rentrer en Grèce par là en prenant un ferry boat. Et ça va nous faire drôle de quitter la Turquie parce que ça fait presque 2 mois qu'on y est quand même. Pas tout à fait. Avec une escapade à Chypre depuis là. Et moi j'en avais profité, je voulais en profiter pour arrêter l'alcool, d'être en Turquie, c'est le pays idéal. Et donc j'ai arrêté l'alcool, je me suis mis à l'eau et voilà. Moi je veux bien, hein. J'en ai trop marre. Bon, cette fois on risque de quitter la Turquie puisqu'on a les billets de bateau en règle. On est à 12-13 mètres du bateau qui va à Chios. C'est quand même assez original d'entrer dans l'Union Européenne par là, je pense. Ça y est, on est installé sur le mini ferry. Il reste encore 7 places pour les voitures, mais bon. Ah, ils vont peut-être mettre un SMI. C'est ça. Et j'adore toujours cet aspect un peu cosmopolite des gens qui prennent ces petites lignes. Bon, il y a 3 gros camions turcs ici. Il y a un camping-car immatriculé en Italie. Le gars, il parle 5 langues, dont le perse et l'azéri quand même. Il est italien et il va se faire soigner les dents en Croatie depuis ici, logique. La Mercedes qui est devant, c'est un Allemand turc, enfin un Turc qui bosse en Allemagne, qui rentre chez lui tout doucement. Une grosse Mercedes immatriculée en France avec un couple pas très sympa qui a voulu échapper au rayon X. Et puis devant, la petite Polo, c'est une baraque, un gars grec hyper baraqué qui m'a parlé tout à l'heure, qui me dit « Mais je comprends pas, c'est la première fois que je vais en Turquie, il n'y a personne qui parle anglais. » Comme disait Coluche, le moteur, on l'entend bien, on sait qu'on n'est pas en panne, je suis juste au-dessus là. Alors ici, la Turquie, Tchesmé, ici, la Grèce, Chios.